C'est l'un des grands enjeux du siècle qui s'ouvre, l'alimentation. Déjà, la planète peine à nourrir les hommes. Et dans 30 ans, avec 2 milliards d'êtres humains en plus, que mangera-t-on ? Difficile de répondre, mais une chose est sûre, nos habitudes alimentaires vont devoir changer. Les fourmis, grillons, chenilles et autres insectes sont déjà dans les assiettes de 2 milliards d'êtres humains. Ils pourraient bien devenir une alternative à la viande, tant l'élevage nuit à la planète entre la déforestation et l'émission de gaz à effet de serre. Élever les insectes est plus écologique. Rendez-vous donc avec l'une des rares entreprises en France à les commercialiser. Bonjour Sébastien. Bonjour Marie, bienvenue. Merci. Alors là on est un peu dans votre cave. Votre cave à trésors, mais vous avez des trésors un peu particuliers. Oui, ce sont des insectes comestibles. Donc ici, on a une douzaine de spécimens. On a des grillons, on a des vers à soie, on a des scorpions noirs, on a des chenilles aussi du Congo, parce qu'on a aussi des produits d'Afrique, pas que de l'Asie. Qu'est-ce qui motive vos clients ? Principalement, c'est le côté étonnant, insolite des insectes. Ils ont envie de tenter l'expérience des insectes comestibles. C'est un peu l'effet Koh-Lanta, le côté exotique, aventure, à domicile. On voit petit à petit émerger l'idée de trouver des alternatives alimentaires. Donc, il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par les insectes comestibles parce qu'ils sont une source de protéines alternatives. Alors justement, quelle est la valeur nutritive des insectes ? Alors le principal intérêt, c'est qu'ils sont riches en protéines. Ils ont aussi des vitamines, principalement du calcium et vitamine A. Ces petites bêtes ne sont pas données, comptez environ 280 euros le kilo. Alors je vais goûter quoi ? Alors je vous propose de goûter des grillons à la taille. Ce sont des grillons de Thaïlande. Qui ont un goût naturel de noisette. Et là, ils sont assaisonnés avec notamment de la citronnelle. Très salé. Ça a le goût de la sauce japonaise, de la sauce soja. C'est étonnant. Oui, c'est vrai, on nous le dit souvent. Et c'est pour ça que les gens apprécient à l'apéritif. C'est comme un petit biscuit salé d'apéritif. Ça passe très bien avec du vin, par exemple. Les insectes sont loin d'être entrés dans nos habitudes alimentaires. Leur vente en France reste encore très confidentielle et pour le moment tout juste tolérée. Concernant la commercialisation des insectes, la législation en France est encore un peu floue. Oui, en France, en fait, les insectes sont ni clairement autorisés, ni clairement interdits. Il y a un flou juridique, parce que finalement, on ne sait pas dans quelle catégorie les mettre, on ne sait pas à quoi correspondent les insectes, il n'y a pas de référence. Donc on attend une législation, sûrement pas française, plutôt européenne, peut-être en 2015 ou en 2016, on ne sait pas, sur les nouveaux aliments, dont les insectes comestibles. Merci Sébastien pour cette dégustation, pour cette expérience. Et pour ceux qui ne seraient pas totalement convaincus, d'autres alternatives existent. Depuis des années, le soja a remplacé la viande et pas uniquement chez les végétariens, mais une autre production pourrait concurrencer le soja, le chanvre, une plante également très riche en protéines. J'ai maintenant rendez-vous en plein cœur de la Bretagne avec Christophe Latouche. Pour remplacer la viande, la graine de chanvre est plus appétissante qu'un scorpion. Peu de gens le savent, la France est le premier producteur de chanvre en Europe. Depuis plus de 10 ans, Christophe vante les mérites nutritionnels de cette plante qui renferme autant de protéines qu'un bon steak. Bonjour Christophe. Ah, bonjour Marie. Voilà, vous êtes artisan chanvrier, qu'est-ce que c'est ? Alors, artisan chanvrier, c'est assez large. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler sur la graine. On connaît toutes les filières textiles, papier, habitat, etc. Nous, ce qui nous a particulièrement intéressé, c'est la graine de chanvre, parce que c'est un aliment exceptionnel. Alors, ici, on est dans ce qu'on peut considérer être la plus classique des transformations, c'est le pressage. La graine de chanvre est un oléagineux, donc on va en extraire de l'huile, en première pression à froid, c'est ce qu'on est en train de voir là. Le chanvre est arrivé dans l'alimentation dans les années 70. On a commencé à se rendre compte
on a pu faire les premières analyses sérieuses, que la graine contenait beaucoup de protéines, d'une protéine très particulière, et beaucoup d'huile très riche en oméga 3 et 6. Le chanvre pousse facilement et quasiment partout. La difficulté pour Christophe a été de trouver un moyen de décortiquer la graine sans perdre les qualités nutritives. Aujourd'hui, il propose toute une gamme de produits à base de chanvre. Alors, qu'est-ce qu'on va préparer ? Alors, on a plein de choses là. On a tous les produits de base dont on a parlé tout à l'heure. La graine entière est ici. Mmh. On a la graine décortiquée ici. Tu peux goûter ? On peut, c'est pas. Il faut goûter. Oh, attendez, il faut être plus gourmand que ça, plus gourmand que ça. Tendez la main. Mmh. C'est une petite amande. En la voyant comme ça, on n'a pas vraiment cette sensation d'amande. Ça ressemble à la noisette. C'est assez près de la noisette, de l'amande. Là, on est à 20% d'huile, 20% de protéines, pour faire simple. Ici, en décortiquant, on passe la barre des 30% de protéines, on passe la barre des 35% d'huile. Et le chanvre, ça se cuisine, ça s'assaisonne. Comme ici, par exemple, avec ce pâté de chanvre. Voilà. Je fais une petite entrée, un petit toast. Allez. Allons-y. On va prendre. Qu'est-ce que je fais, moi? Ben, vous pouvez, si vous voulez, préparer l'ail, elle est là. On va l'émietter. On peut, si vous voulez, vous la découper. Là, on a un petit coupe-ail. Voilà. Voilà. Et c'est en fait l'équivalent pour le soja du tofu. Donc, on va l'émietter. On va pouvoir introduire l'ail et le persil. L'ail et le persil. Les premiers qui sont venus sur ce produit-là, sur la graine de chanvre décortiquée en général, ce sont les gens qui cherchent une protéine facile à digérer, directement disponible pour l'organisme, et pour certains, exemple de matière carnée. C'est très frais. Merci Christophe pour ce cours de cuisine. De rien Marie, à bientôt. À bientôt. Des milliers de chercheurs dans le monde cherchent des alternatives à la viande. L'un d'entre eux est français, Hervé Tiss. Il s'est carrément affranchi de la matière pour cuisiner autrement et recomposer des aliments à partir de composés chimiques. Allons rencontrer dans son laboratoire, dans son bureau laboratoire, l'inventeur de la cuisine Nathaneuf. Alors, je viens vous voir ici, dans votre bureau, parce que vous êtes l'inventeur de la cuisine note à note. C'est quoi le principe ? Prenez une carotte, par exemple. Une carotte, c'est de l'eau, de la cellulose, des pectines, des sucres, des acides aminés. Bon, bah, l'eau, elle est dans le robinet. La cellulose, j'en ai quelque part par là, dans cette partie-là. Des acides aminés, vous voyez, par exemple, ça, c'est du tryptophane, c'est un acide aminé. Bon, alors, dans le fond... avec ça, on fait un plat. Des composés qu'on trouve naturellement dans nos aliments, mais cuisinés avec des poudres, présentent un intérêt. Tous les économistes du monde disent que le prix des viandes va augmenter, enfin augmente, hein, et que va venir un jour où on pourra plus payer de la viande. Il va y avoir 10 milliards d'êtres humains sur la Terre en 2050. Aujourd'hui, on est 6 milliards, enfin, on est 7 milliards et 1 milliard qui meurt de faim, 10 milliards et un problème. Et par exemple, l'Europe aujourd'hui lance un programme qui s'appelle Horizon 2020, où il est question de remplacer les protéines animales, entendez les viandes, par des protéines végétales. Et les protéines végétales, en voilà, vous voyez, c'est des protéines végétales. Alors, une fois qu'on a ça, comment on mange ? Ben, ce machin-là, il va falloir le cuisiner. Alors, vous montrez concrètement à quoi ça ressemble, cette cuisine note à note ? On va commencer par l'équivalent d'une viande, en quelque sorte. Ah. Parce que c'est la partie qu'il faut régler. Moi, j'adore cuisiner. Hein. Ah ben, je vais vous laisser faire. Là. Vous le voulez, quelle couleur, votre truc ? Vert, ça vous va ? Un joli petit vert. Mais le vert, moi, je l'associe aux légumes. Oui, ben justement, on raisonne plus. Vous allez me perturber, hein, mais... Mais je suis là pour ça, donc... C'est joli quand même, non ? Ah, piquant et frais. J'ai quelque chose d'extraordinaire. Je vais vous mettre un peu... alors, ça, c'est un produit que j'adore. C'est de l'isothiocyanate d'allyle. C'est le piquant des wasabi, de la roquette, de la moutarde, etc. Voilà, c'est sublime.
Et alors, ça, c'est génial parce que c'est la pomme de terre cuite. Ouais, alors, vrai. D'habitude, on mange un steak frites. Donc, je vais vous mettre les frites à l'intérieur. Donc, vous avez vos protéines, vous avez votre eau, vous avez comme une viande. Vous avez comme une viande, sauf qu'elle est verte et que vous avez votre odeur, que vous avez décidé, votre goût, vous avez décidé. Vous avez tout décidé. Hop. De toute façon, quand le public aura faim, il le mangera. Oui, mais alors, quelle est la notion de plaisir? C'est ce que je veux dire. Ah, plaisir, mais c'est peut-être bon, hein. C'est pas encore. Là, déjà, il est à bientôt. Ça s'appelle du tout. À moins que seul. Moi, je suis peut-être pas prête encore à ça parce que bon, je meurs pas de faim, j'ai cette chance-là. Mais c'est pas mal quand même. Ça me donne pas forcément super envie. Allez, je vais goûter. Goûter d'abord. Voilà. On a de la couleur. Ça ressemble plus dans la consistance à une omelette espagnole. À la consistance, vous ne trouvez pas? Il est un peu omelette parce que, à mon avis, on aurait dû le faire plus épais pour qu'il soit saignant à l'intérieur. Si je pars rassasié, on est encore un peu loin de la cuisine plaisir. Pour vérifier qu'elles sont